Oui, ma choupette force pas tout en souplesse. Et quand ça sort la night, ça me des flashs et ça fume la frappe. En bruit, ça sort le night. Un tracker, une moto et poteau, goodbye. Avec Messi la team, avec Lionel, il est à la maison Lionel, oui, tous m'aimer, tous ici, voilà, SMS Green Club, là il soulève le trophée de la Ligue des Champions là les gars, oh là, allez reviens, reviens par là, reviens. Il est fasciné par le ballon déjà, d'ailleurs qu'est-ce qu'ils deviennent les petits génies qui nous présentent dans le téléfoot là. Tout le temps dans le téléfoot, ils te disent ouais, le petit Johan, d'origine suédoise, qui a signé à Madrid à l'âge de 12 ans et demi. Il fait 80 jongles avec son zboub. On les voit jamais percer ces petits jeunes à téléfoot, oh là. Les petits enfants génies là. Oh là, il n'y en a pas un qui a percé, frère. Hein, Zouk Zouk. Isaquinho. D'ailleurs, il faut parler des prénoms des footballeurs aussi. J'en ferai une vidéo. Le mec s'appelle Robert. Sur son maillot, c'est marqué Ronaldinho. Voilà. Le mec s'appelle Robin. Voilà, il s'appelle Robin. Sur son maillot, c'est marqué Robinho. Vos grands-mères, les Robinho qui s'en battent, les Robignoles. Je vois nier. Bon, encore un pari qui est passé hier. Je fais que passer des SMIC en ce moment. 4000 euros cette semaine de bénéfices. La vie de ma mère. Kylian Mbappé, Mbappé, il part du PSG et il joue avec le cœur des supporters du PSG. Surtout les enfants. Oh là, tu joues avec le cœur des enfants qui t'aiment beaucoup, Mbappé. Dis-leur la vérité. Moi, je sais des choses, Mbappé. Je sais des choses. Corruption, pot de vin, dessous de table. D'accord? Arrangement à l'amiable. Ça te dit quelque chose? Ces mots te sont familiers, Mbappé? Tu sais très bien de quoi je parle. C'est très bien de quoi je parle. Voilà. Il y a eu des dessous de table. Rue Saint-Honoré, derrière le Balenciaga, à côté de la boulangerie Paul. Il y a un arrêt de bus. Hein? Ça te dit quelque chose? Voilà. J'ai pas envie d'en dire plus. Alors Mbappé, pouette pouette. Mbappé, pouette pouette. Voilà. Ne parle pas trop. Je ne veux pas que je fasse des révélations. Parce que tu sais très bien ce qui s'est passé à Rue Saint-Honoré. Neymar, Neymar qui fait croire qu'il reste au PSG pour l'amour du maillot. Hein? Toi et moi, on connaît la vérité, Neymar. Pot de vin, dessous de table, corruption et arrangement. Voilà. Tes mots te sont familiers, Neymar? Hein? Toi qui aimes ta famille, toi qui es amoureux de ta soeur. Est-ce que ces mots te sont familiers? C'est très bien de quoi je parle. Hein? Porte de la Chapelle, en face de l'hôtel Ibis. Il y a un Starbucks. À côté du Starbucks, il y a un sushi bar. En face du sushi bar, d'accord, il y a une brocante. Derrière la brocante, il y a une cabine téléphonique qui a été remplacée par un distributeur de canettes. À côté du distributeur de canettes. Voilà. Hein? Ça te dit quelque chose là? Est-ce que ça te dit quelque chose? J'ai pas envie de faire des révélations et tout, mais j'espère que c'est vous qui allez les faire. Vous allez passer aux aveux. Parce que c'est très grave ce qui se passe. Les amis, tout à l'heure, je vous parlais des petits jeunes qu'on voit dans le téléfoot. Voilà, ils ont 8 ans, c'est des génies, ils dribblent des darons, je sais pas quoi, ils jouent pieds nus. Voilà. Ils jouent en tongue, ils ont pas de ballon, ils jouent avec une boule de bowling, tellement ils sont forts. Voilà. On les voit jamais percer, ces jeunes-là. La vie de ma mère. Voilà. À la fin, on se retrouve avec des Giroud, des Valbuena. Voilà. En fait, c'est la morale, les gars. C'est pour vous dire que le talent dans la vie, c'est rien. Voilà. Le talent, c'est rien. Que ce soit à l'école, dans le sport, dans le travail, c'est du pipi de chat. Le travail, c'est important, les gars. C'est moi qui dis ça, le plus gros chômeur du monde. Non, mais je ne parle pas du travail. Le taf, c'est travailler ce que t'aimes. Le travail, les gars. Le mec est moyen. D'accord? Et qui va travailler toute sa vie, le physique, technique, entraînement. Il reste une heure après entraînement. Voilà,
lui, il va aller loin dans le foot. Mais le petit Atem Ben Arfa qui dribble tout le monde, voilà. Neymar, toi et moi, on connaît la vérité. Hein? Quelle a été ta motivation pour rester au PSG? Hein? La mallette, elle était lourde ou pas la mallette? Tu vois très bien de quoi je parle, Neymar. Hein? Voilà. Porte de client court. D'accord? Il y a un feu rouge. Derrière le feu rouge, il y a un restaurant. Ok? En haut du restaurant, il y a un rooftop. C'est là que ça s'est passé. Hein, le rooftop à Clignancourt, ça dit quelque chose, Neymar? J'ai pas envie d'en dire plus.